Bonjour et bienvenue sur NetProf. Dans ce cours, nous allons remonter aux origines d'une expression de la langue française, à savoir l'expression « avoir un cœur d'artichaut ». Commençons par une définition. Avoir un cœur d'artichaut signifie tomber amoureux facilement et fréquemment, c'est-à-dire souvent et donc sans beaucoup de discernement. D'où vient cette expression? Cette expression est en fait dérivée d'une locution populaire un peu plus longue de la fin du 19e siècle qui disait « cœur d'artichaut, une feuille pour tout le monde ». Que l'on a ensuite, à l'usage, résumé en seul cœur d'artichaut. On le devine grâce à cette forme le plus longue de l'expression, l'explication vient en fait de la façon dont on mange l'artichaut. Dans un artichaut, seul le centre est comestible, c'est ce qu'on appelle le cœur de l'artichaut. Et en fait, il se distribue petit à petit aux différentes personnes qui mangent l'artichaut. En effet, pour manger ce légume, on détache les feuilles une par une, et chaque feuille a un morceau de comestible que vous voyez ici sur cette illustration, qui détache une petite partie du cœur. D'ailleurs, on trempe les feuilles, et on le voit sur celle-ci dans une vinaigrette hein, ou dans une sauce, car elles ont la particularité d'être amères. Donc, en fait, il y a une analogie entre la façon dont on mange le légume et un cœur d'artichaut qui, comme le légume, distribue la partie intéressante, son cœur, distribue son amour à toute personne dont il s'éprend facilement petit à petit. Et donc, il peut distribuer à beaucoup de personnes, tout comme beaucoup de personnes peuvent théoriquement manger chacune une feuille de l'artichaut. Merci d'avoir suivi ce cours. N'hésitez pas à partir à la découverte des origines de nombreuses autres expressions de la langue française sur netprof.fr. Vous pourrez notamment retrouver les autres cours que j'ai mis en ligne sur le sujet en cliquant sur ce lien avec mon prénom, qui va apparaître juste sous la vidéo dès qu'elle sera terminée. Je vous dis donc à tout de suite sur netprof.fr.